le prophète, tourmenté d'une soif spirituelle, j'allais errant dans un sombre désert, et un séraphin à six ailes m'apparut à la croisée d'un sentier. De ses doigts légers comme un songe, il toucha mes prunelles s'ouvrirent voyantes comme celles d'un aiglon effarouché. Il toucha mes oreilles, elles se remplirent de bruit et de rumeurs, et je compris l'architecture des cieux et le vol des anges au-dessus des monts, et la voix des essaims d'animaux marins sous les ondes, le travail souterrain de la plante qui germe. Et l'ange, se penchant vers ma bouche, m'arracha ma langue pécheresse, la diseuse de frivolité et de mensonge, et entre mes lèvres glacées, sa main sanglante, il mit le dard du sage serpent. D'un glaive, il fendit ma poitrine et en arracha mon cœur palpitant. Et dans ma poitrine entr'ouverte, il enfonça une braise ardente. Tel un cadavre, j'étais gisant dans le désert. Et la voix de Dieu m'appela. « Lève-toi, prophète. Vois, écoute et parcourant, et les mers, les terres, brûlent par la parole. » Les cœurs des humains.